Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Très courte introduction aujourd'hui parce que j'ai des choses, des scènes à vous montrer. Des scènes dont je ne suis pas sûr que vous allez vous en régaler. Mais j'aimerais savoir avant de commencer pourquoi le régime choisit-il des personnages clownesque, Hachali Clown, pour les plus hautes charges à des postes parmi les plus sensibles, les plus visibles. Est-il seulement imaginable qu'un Sellel, après avoir été plusieurs fois ministre, puisse devenir le premier ministre du pays à trois reprises successives, s'il vous plaît? Comment imaginer qu'un Marroul, par exemple, puisse accéder aux charges qui ont été les siennes, et à celles qui sont les siennes aujourd'hui, après ses exploits en termes de corruption et de malfaçon fautive sur ce qu'il a lui-même pompeusement qualifié de projet du siècle? Rien que ça. Comment expliquer la présence d'un Oudabès à la tête de ce qu'ils disent eux-mêmes, le premier parti politique du régime, l'héritier de l'historique Front de Libération Nationale. Et comment comprendre que d'innombrables autres ministres, chefs de parti et autres responsables en tout genre qui ne brillent que par une exceptionnelle incompétence doublée d'un culot phénoménal puisse ainsi occuper le devant d'une scène qui tourne ouvertement à la foire des Garagouz. Aujourd'hui, en guise de titre de presse, nous allons vous présenter trois vidéos. Nous allons changer un petit peu. Aujourd'hui, donc. واش جبتي اليوم توقف ولا وي اون زاتون انسنيو اون زاتون شكون فوق عندك انا انا كان امبورطون مين ابريزي دوخني هادي واعره شويه نمشي كل سنه وشي راني جاي ما نحوس على والو هاني نقولها امام الله دايغرام يقولوا لي واش دير رحت للرئاسيات قلت لهم انا مستحيل وما شناني مانيش قادره انا نسير 10 دقائق نسير 10 دقائق نسير 10 دقائق möchte den Ministerpräsidenten aus Algerien, Herrn Abdelmalek Sellal, ganz senden aus Algerien, Herrn Abdelmalek Sellal, ganz. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. والاخر يقول لك دير لنا تراموي يا ولدي واش دير بالتراموي هذا هذا التراموي تاع الفيلم تاع لي زانديان تاع لي زاباش خلينا من المشاكل هذه Vu, vous avez entendu? Ça, ce n'est pas exceptionnel. Ce ne sont pas des choses qui peuvent arriver. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au plus haut poste de l'État. Sinon, nous allons revoir la vidéo de Ould Abbas. Et alors, je vais vous demander de faire attention. Parce que beaucoup de gens ont pensé que c'était sérieux, que cette secrétaire est venue lui dire « Monsieur Ould Abbas, on vous demande, c'est très important. » D'où ? Il lui a dit « Qui ?» Il lui a dit « De très haut. » Il lui a dit « Qui ?» Qui ? Elle lui a dit « La présidence. »« Ah, la présidence. » Et puis, il lui dit « Bon, bon, dites-lui d'attendre. Hein, » Ould Abbas qui va attendre, Saïd Bouteflika. Et donc, curieusement, ce n'est pas lui qui est une poire. C'est nous qu'il prend pour des poires, pour essayer de nous faire avaler une telle mise en scène. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Il a chargé le secrétaire de l'interrompre pendant le discours pour lui dire « La présidence vous demande, et puis lui, dites-leur d'attendre, hein, dites-leur d'attendre. » Vous imaginez ? Nous allons la revoir.
الانتخابات واش جبتي اليوم توقف ولا وي اون فوز اتون ان سينيور فوز اتون شكون فوق عندك الماء انا انا كان فوطون مين البريزيدون دوخني هذه واعره شويه نمشي كل سنه وشي راني جاي Qu'est-ce qu'on fait ? On pleure ? On rit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Avec nous pour en parler, Amira Bouraoui, médecin militante pour la démocratie, et Mohamed Benhamou, président du parti El Karama, que nous vous invitons aussi aujourd'hui pour nous dire son avis. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir Monsieur Zemeldi. Alors Amira, vous avez vu cette farce de Monsieur Ould Abbas qui se fait interrompre par une secrétaire pour nous... Alors, il sait qu'il y a des micros. Hein. Il sait que quand il se penche pour lui parler, soi-disant à lui chuchoter, il sait qu'il y a des micros. Hein. Et il fait comme si de rien n'était hein, pour nous faire savoir qu'il est demandé par la présidence et qu'il fait attendre la présidence. Oui, oui, j'ai vu ça hier. On n'en est pas à la première farce. Hein. Et on les subit déjà depuis un moment. C'est vrai qu'il y a des moments où on en rit un peu, et puis à un certain moment, on se rend compte qu'en fait, on rit de nous-mêmes parce que la situation du pays nécessite un petit peu plus de sérieux. Et on voit bien qu'ils sont là pour amuser la galerie, pour en fait rendre la chose politique et vraiment ridicule et c'est vrai que la jeunesse en rit beaucoup mais on ne devrait pas du tout en rire parce que en fait c'est de l'Algérie qu'on rit. Mais Amira Bouraoui, expliquez-moi quelque chose parce que je vous assure hein, je suis très sérieux, je vous pose une vraie question parce que j'aimerais bien qu'on m'explique. Nous savons tous hein, vous, moi, tous les Algériens qu'heureusement au sein de ce régime, de cet État, là quand on parle des gens compétents, on parle de l'État. Au sein de cet État, il y a réellement des gens très compétents, les soldats de l'ombre, à tous les niveaux de l'administration et du gouvernement. Ce sont eux, c'est grâce à eux que ce pays continue de tourner, malgré tous ces incompétents qui l'infestent, tous ces corrompus qui l'infestent. Et donc, ces gens-là, ils ne sont jamais visibles, on ne les voit jamais. Les plus compétents, ceux qui font tourner le pays. Or, curieusement, à des sommets de l'État, visibles, des gens d'une incompétence crasse, et qui sont là, et qui, prenez par exemple M. Sellel, il a été 3 fois Premier ministre. C'est incroyable, alors qu'on est en train de le voir à la manœuvre. Il est quasiment... analphabète trilingue, il passe son temps à croire qu'il fait rire les gens font semblant de rire pour lui faire plaisir, il paraît que ça lui fait très plaisir quand on rit de ses bonnes blagues. Mais sinon, ce que j'aimerais comprendre, j'aimerais que vous m'expliquiez, je m'excuse d'être aussi long, pourquoi cet État ne nomme-t-il à de tels postes que des gens de cet acabit, hein, pour ne pas être méchant, pourquoi? Je pense que c'est une philosophie qui a été adoptée très très tôt, avant même l'indépendance. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être compétent ou qui pouvait leur dire « Wunrak Marahenyej Mara » était au début ou assassiné ou écarté. Donc c'est une manière de faire qui remonte à très très longtemps. Et ça reste exactement la même chose jusqu'à présent. Les autres, ce ne sont pas des gens de l'ombre, c'est des gens qui sont fonctionnaires, qui travaillent dans les administrations et tout, et ils subissent comme vous, moi, comme tous les Algériens, c'est-à-dire ce n'est pas des gens de l'ombre, c'est des gens qu'on croise, qui travaillent dans les ministères, qui travaillent dans ceux qui permettent justement à l'Algérie de continuer à tourner. Et ces gens-là, ça ne leur plaît pas du tout,
ça leur fait pas du tout plaisir de subir tout ça. Et ils savent que au-dessus de leur tête, ils ont une incompétence notoire. Mais il se trouve que ils ne peuvent rien non plus. Donc chacun est en train de regarder l'autre en chaîne faïence en attendant que ça passe, en attendant que cette génération-là, que cette manière de faire-là disparaisse et qu'on passe à l'Algérie de la méritocratie où c'est le meilleur qui dirige le pays, où c'est le meilleur qui pratique la chose politique, etc. Mais Amira Bouraoui, tout à l'heure, déjà, bon, Mohamed Benhamou, il semble que ce soit difficile de l'avoir, donc il est possible, Amira Bouraoui, que nous ouvrions le standard à nos amis téléspectateurs pour leur permettre de s'exprimer aussi sur ce sujet. Mais je vous disais que tout à l'heure, j'ai fait le tour de la rédaction parce que très sincèrement, moi, je ne comprends pas. Et donc, j'ai demandé l'avis de mes confrères. Je leur ai dit, d'après vous, pourquoi Saïd Bouteflika et ceux qui sont autour de lui ne nomment-ils à la tête des postes clés que des gens de ce genre? Pourquoi, même quand il arrive qu'il y ait quelqu'un un tant soit peu présentable, on le zappe pour ramener quelqu'un, un garagouze, ramener quelqu'un. Alors, des avis ont été divers et variés, comme on dit. Alors, il y en a deux que j'ai retenus. L'un m'a dit, non, ils mettent des gens comme ça parce qu'ils peuvent les contrôler, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais espéré arriver à un tel sommet et que donc ils sont capables de tout faire ce qu'on leur demande. Et donc, c'est pour ça qu'il les ramène, ce type-là. Parce qu'il ramenait des vrais gens compétents, des gens vraiment dignes, des gens à la hauteur, il n'accepterait pas certaines choses. Et donc, bon. L'autre avis, on m'a dit, non, tout simplement, c'est pire que ça. Et je dis quoi, alors? Ils m'ont dit, ces gens-là détestent l'Algérie. Ils détestent les Algériens. Alors, ils trouvent à chaque fois la façon la plus impitoyable de punir les Algériens, jusque dans leur dignité, en leur imposant de tels personnages. Vous avez, par exemple, hein, c'est dommage qu'on n'a pas trouvé tout de suite la vidéo. Vous avez vu Wilde Abbes, quand il a parlé de l'affaire de son fils, qu'il avait tourné en complot, il avait dit quelque chose. Il avait dit, vous savez, moi j'ai résisté, moi je suis un roc, moi je suis l'Himalaya. Vous imaginez, hein, Amira Bouraoui, quelqu'un qui vient vous dire, moi, je suis l'Himalaya. C'est vrai que j'avais lu le livre de Sidi Ahmed Soumiane, hein, sur octobre 88, sur la manière dont avait été choisi le défunt Chadli Benjdid. C'est vrai que il y a des responsables qui ont carrément avoué que on choisit les gens en fonction de la manière dont on peut les manipuler, dont on peut obtenir allégeance, etc. Donc, qu'on arrive à maîtriser. Il y a cette culture-là. Il y a aussi une école défectueuse. Hein, l'école algérienne, elle a produit quelques générations d'Algériens qui sont on n'est pas à la hauteur. Il faut l'avouer. C'est une école qui passait complètement à côté. Et pour ces gens-là, mettre des clowns pareils vont passer pour des figures plus sympathiques pour la masse, c'est une sorte de carnaval de chra, quoi. Sauf que il s'agit de l'avenir de la nation, il s'agit de choses sérieuses, il s'agit d'une crise économique, il s'agit de savoir où on va, et à un moment ça fait plus rire du tout. Oui, mais Amira Bouraoui, à la limite que ces gens-là sévissent chez nous, à l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, ils ont l'habitude de faire ce qu'ils veulent. Ils sont chez eux, c'est leur propriété. Mais quand ils envoient un Sellel, par exemple, à des rencontres internationales, vous avez vu c'est la foire qu'il a fait au G8, vous avez vu son discours devant la Ligue arabe, pourquoi ils n'envoient pas, à la limite, des gens qui les remplacent, qui peuvent, à la limite, faire figure honorable
Et là, moi, c'est là où je pense que c'est comme s'il voulait se venger de quelqu'un en l'humiliant au maximum. Ah bon, votre Algérie, regardez votre Algérie à l'étranger. Regardez, messieurs et mesdames de l'international, ce que c'est que ces Algériens. Et il leur expose le Premier ministre au plus haut poste de l'État, du gouvernement. Et vous voyez ce qu'il est capable de faire. Vous avez vu avec Merkel, par exemple, tout à l'heure, les images que nous avons montrées. J'ose espérer quand même que ça n'aille pas jusque-là, que ce ne soit pas fait de manière délibérée. Je pense qu'il n'y a aucun sentiment de patriotisme chez ces gens-là. Je pense que de l'image de l'Algérie, ils s'en foutent complètement. Je pense que c'est des gens qui cherchent uniquement à sauver leur peau. On sait très très bien aujourd'hui que c'est un ensemble de malfrats qui sont cachés derrière un monsieur malade qui n'est plus du tout conscient, qu'on utilise, hein. Tous ces gens-là ne cherchent qu'une chose, en fait, ne cherchent qu'une chose, à faire durer ce carnaval-là le maximum, au moins jusqu'en 2019, sans avoir de révolte dans la rue, et de voler un maximum et de s'en sortir à bon compte, sans se faire poursuivre, sans se faire juger. Sinon, de l'image de l'Algérie, ces gens-là, ils n'ont pas la hauteur. Hein, s'ils l'avaient, ils n'auraient pas agi de la sorte. Mais Amira Bouraoui, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que nous allons ouvrir le standard pour quelques appels. Mais Amira Bouraoui, à la limite, ces gens-là, ceux qui dirigent, ceux qui nomment, ceux qui dégomment, ceux qui décident qui mettre à tel poste, en fait, ils savent très bien que ce n'est pas une question de compétence. Nous le savons très bien. Tant qu'il y a de l'argent qui rentre, ce n'est pas un problème. Vous pouvez mettre n'importe qui, de toutes les façons, tout le problème consiste à comment dépenser l'argent. Et non pas comment le créer, comment le ramener, comment le faire fructifier, comment le faire prospérer. Donc, question de compétences, pour le moment, ils n'en ont pas besoin. Mais à la limite, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, nous avons connu d'autres premiers ministres, je ne nommerai personne, mais autrement, plus présentables. Et quel panache pour certains, quelle présentation, quel discours, quelle facilité de passer d'une langue à une autre, même s'ils n'étaient pas foncièrement honnêtes, même s'ils n'étaient pas foncièrement intègres, même s'ils appartenaient à un régime donné, même si d'eux-mêmes ils avaient dit qu'ils ont été les harkis du régime. Mais du moins, ils étaient présentables, ils faisaient franchement plaisir à voir dans leur fonction. Mais là, c'est là où je vous dis que je ne comprends pas. C'est trop. Sillel, Ould Abbas, Ammar Ghoul et tous les autres qui, du même genre, qui sont là à occuper les devants de la scène, à nous faire honte, je dis le mot sans détour. Je pense que jusqu'à il y a quelques temps, depuis l'indépendance, il y avait une sorte de cabinet noir qui décidait de tout jusqu'ici. Qui décidait de tout et qui est clairement en grande partie responsable de l'impasse dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Sauf que à l'époque, ces gens-là décidaient de qui mettre où pour encore donner bonne figure. Ce cabinet noir n'existe plus en fait aujourd'hui. C'est une sorte de cirque. C'est une sorte de cirque qui il n'y a plus de pilote dans l'avion et il s'agit uniquement de mettre ceux qui continue à servir cette marmaille-là. On s'en fout de l'image qu'on donne. L'essentiel, c'est qu'on ne soit pas trahi. Et c'est arrivé très très loin, c'est-à-dire qu'il y a carrément une rupture parce que tout Algérien conscient, compétent, ne veut plus se mêler à ces gens-là. Et plus de combien, peut-être 80% du peuple facilement, qui ne s'est clairement pas déplacé aux législatives, qui sait clairement que derrière tout ça, c'est une grande mascarade, et on regarde une sorte de régime finissant, mais qui a besoin d'être aidé, hein, quelque part. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Nous allons donc ouvrir le standard et montrer encore quelques images.
السلام عليكم. السلام عليكم يا البطاطا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا البطاطا. D'imaginer un premier ministre, la chinoise la porte, elle fait des efforts pour apprendre, pour lui dire salam alaikum. Il lui dit salam alaikum, salam alaikum al batata. Makhlouf Mtizi Ouzou, Salim de Paris. Salim de Paris, je vous en prie. Oui, bonsoir monsieur Abchinouf. Bonsoir. Bonsoir à votre invité, madame Amira Bouraoui. On connaît tous l'adage qui dit la nature a horreur du vide. Donc si toutes les compétences ils ont été réduites au silence, les hurluberlus comme Dabès, l'aile, arrivent sur le devant de la scène. Donc le ridicule ne tue pas, et c'est dommage, et le peuple il est pris en otage entre une gérontocratie qui a pris le pouvoir par la force et un peuple médusé, humilié sur la scène internationale. Donc toutes les équations à trois inconnues sont posées. J'ai une anecdote, si je peux le dire, sur oui. Celle-là de Jamal, si vous me permettez. Oui, j'en prie. Lorsque celle-là était ministre de l'hydraulique, il était venu en France pour un petit bilan de retour veineux sur un problème un pépin de santé très, très léger. Il y avait un phlébologue assisté par un ami personnel qui est cardiologue. Et ce cardiologue, qui est mon ami, à la fin de la visite, donc il a donné son résultat. Et celle-là, il a dit « Ah, je suis très fier d'avoir des Algériens dans les hôpitaux français. Voici ma carte, si vous avez besoin de moi, vous me faites signe et je peux vous aider. » Et le copain lui a rendu la carte, carrément, il lui a dit « J'ai pas besoin de vous. Le peuple algérien a besoin que vous partez. Si on est partis tous, c'est à cause de votre système et à cause de votre incompétence. On aurait mieux fait de rester chez nous et travailler avec nos patients et nos hôpitaux. C'est à cause de vous qu'on est dehors. » Parti. Bravo. Et il était fou. Bravo. Wallah l'adim. Bravo. Merci. Merci Salim. Merci. Il n'y a pas de quoi. Abdelkarim d'Alger. Abdelkarim. Abdelkarim من الجزائر. Je vous en prie, Abdelkarim. Abdelkarim. Naam. Salam alaykoum. Tfadhal Abdelkarim. Je vous écoute, Abdelkarim, vous êtes en direct, vous pouvez vous exprimer. Il y a un souci. T'as fait télévision taxi, Abdelkarim, est-ce que vous pouvez éteindre? Boualem de Belgique. Boualem de Belgique, merci à ceux qui appellent d'éteindre leur téléviseur. Boualem de Belgique, je vous en prie. Fadal, c'est Boualem. Je vous en prie. Salam alaikum. Alaikum salam. Alain Sibouala. Monsieur Bichnou. Oui. Allez-y, je vous en prie. Barakallahu fik. Allah yarham li rabbak. Yarham waldik. Barakallahu fik. Waldina waldik. Benhamou yji ou la majjij? C'était prévu yji, mais il ne répond pas. On n'arrive pas à le joindre. C'est le plus grand chiite du monde. Là, je le connais pas comme ça. Rêve télévision. Les débats, le plus grand chiite du monde. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Salim de Annaba. Salim. Salim de Annaba. Mohamed. Mohamed Sherif de Mohammadia. Mohamed Sherif de Mohammadia. Mohamed Sherif, tu m'as vu là? Oui. Je vous en prie, vous êtes en ligne. Salam alaikum, maalesh, on est un peu arabe, un peu français. Maalesh, tu m'as dit. Tu m'as dit des gens incompétents comme ça. C'est normal, ils sortent avec eux. 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 ويحطوا واحد اللي قالك حرايميه سي نورمال واللي قال الشاويه حاشا ما يسمعوش سي نورمال حاشا رزق ربي شاويه حاشا رزق سي نورمال سيدي سعيد قال لي حرق الدنيا يمه تيمهم ايه واللي قال مش عارف شرب مش عارف
هذاك يصير ساخطر حنا الشعب ما قدرش نوض والله غالب ديفيزي بور ريني الله غالب وراك الله اعلم راك انفيتيت بن حمو نعم ها هو اللي كنت مسحوره به هنا في النهار واحد العام واحد الخطره ايوا بن حمو ايوا تمسحوروا به ولا ما تمسحوروش في النهار ايه لسه انا نعرضوا الناس كل هنا انا فوق تو المونت اي والله هم عطوا له دو بوست شكون اللي فوت عليه يرحم باباك هذاك معليش مسكين خونا خليه مسكين يعطيوه ترحموا عليه كيما خاوتنا تاع ولد عباس وخونا تاع ويحيى وخونا خاوتنا كل تتفاصل يعطوا له ديميات هم رجاله كيما علي بن الحاج والله كيما تاع اللي عنده باباه اصل جلالي ذهب سلك تاع ذهب هذوك ما يحبوهمش هذوك كاينه بارك الله فيك سي محمد الشريف عبد العزيز من الجزائر معنا عبد العزيز دالجي عبد العزيز دالجي مراد من عنبة on va prendre encore deux appels et on revient à Mira مراد de عنبة بل عبد الكريم عبد الكريم منين عبد الكريم de Paris عبد الكريم de Paris مرحبا بك سي عبد الكريم بارك الله فيك تفضل Il y a quelqu'un déjà. Non, non, vous êtes, on vous écoute, vous pouvez vous exprimer. Et, mais essayez d'éteindre votre télé parce qu'il y a un retour, s'il vous plaît. Ah d'accord, ok. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alam bik, c'est Abdel Karim. Je salue vous inviter. Merci beaucoup. Tfadal aussi. Un homme sage a dit, les révolutions ont été déclenchées par des fous, concrétisées par des héros, Et c'est les lâches qui en héritent. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme dit le hadith du prophète, alayhi salam, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que bon te semble. Nous sommes gouvernés par, des charlots. Malheureusement, le peuple ne veut pas bouger. Je suis vraiment... Je ne sais plus quoi dire. Barakallahu alaykoum salam. Mohamed Ben Bjaya, et puis nous retournons... Nous revenons à Amira. Mohamed Mbjaya, je vous en prie. Assalamu alaikum, salam alaikum, Maghribia, pour l'ensemble des journalistes de Maghribia. Merci. Monsieur Benchounouf, ce qu'on voit ici en Algérie, c'est vraiment ça se passe nulle part. C'est-à-dire on a un pouvoir, là, c'est des épouvantails, c'est des burlesques, C'est des films de Charlot, ouais. C'est la même chose. Quand tu vois un premier ministre avec Wallah Takara, monsieur Algérien ailleurs. Vraiment, c'est incroyable. On l'a vu, sa photo devant Merkel, il était complexe. C'est comme si tu ramènes un paysan, tu le ramènes, tu le poses devant un ministre ou un président étranger. C'est-à-dire on n'a pas de mot à dire. Merci, c'est Mohamed. Oui. Ah, on a été coupé malheureusement. Jamel, mon français. جمال وي بغيت نشارك اخويا اهلا بك تفضل ايوا نقول جمال بشنوف هذا الله يسترو انسان قوي وقاري وفاهم وكذا وما نعرفوش فهمتني ولا لا ويهضر على قروده كيما هذا الدواب كيما هذا مدين ربي بخسوا بينا هنا في فرنسا بخسوا بينا هم شبعوا لينا نصارى ضحك فهمت ترونجيه كاع جاي يضحكوا علينا ها ما عندهمش حتى همة تاع وزارة ولا همة تاع ناس دبلوماسيين ولا يهدروا هكذاك في الفارغ ما كيما هاد سلال هذا عبد هذا خوتي بريزونتيوه في التلفزيون الله يسترك وتهدر عليها جمال اخويا طيح في قدرك مع واحد كيما هذا نورمالمون ما تذكروش كاع ما تهدرش عليه كاع ما عندوش لاوتور تاعك اللي با تاوتور فهمتني ولا لا بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك اوني اوبليجي دو بارلي de tout le monde. Alors, je connais maintenant Abdelkader al-Jazair, on rejoint l'Amira. Abdelkader, tfadal. Salam alaikum. Alaikum salam alaikum. Alaikum, Abdelkader. Alaikum. Je voulais vous parler avec vous. Tfadal, on est en direct. En direct. Je voulais vous saluer l'Amira Bouraoui.
هاي تسمع فيك نعطيها أمير أبو راوي حاب نتحيها هاي تسمع فيك ويعطيها الصحة الفحلة ويعطيها الصحة الفحلة وربيك وربيك من أمثالها وربي يجيب الخير للبلاد هذه خويا بارك الله أمين فيك. أمين خويا أمين بارك الله فيك أمير أبو راوي أمير أبو راوي أميرة أميرة أبو راوي أسكو أميرة إيت أفيك نو أميرة أميرة أبو راوي ألوغ نو لافون بيردو نو زالون لا رابلي إي نو زالون باسي أن أوتر في تي آر لأنو الأمين العام تاع الحزب هذا تملكو الجنون يقول بلي الحزب تاعو هو اللي جاب الاستقلال والشعب عنده دين اللي باتجاه هذا الحزب لا الشعب الجزائري هو اللي شارك في الثورة وهو اللي جاب الاستقلال Mes chers amis, excusez-moi, je vais devoir vous infliger quelque chose, mais j'ai vraiment envie de revoir Ould Abbas quand il nous fait la comédie avec sa secrétaire, Zamak Lika, Saïd Bouteflik. On va la revoir. On va la revoir. حنا علاش ربحنا الانتخابات واش جبتي اليوم توقف ولا وي اون فوز اتون ان سينيور فوز اتون شكون فوق عندك انا انا كان امبورطون مين البريزيدنت دوخني هذه وعره شويه نمشي كل سنه وش راني جاي Un appel important. Schoon, la présidence. La présidence. Et là, il oublie les micros. Hein. Kolo et Sénat. Kolo et Sénat. Amira Bouraoui. Amira Bouraoui. Mazel. Alors. Mohamed Issa, Mnin. Alors, on va. Je me suis trompé. C'est Mohamed Issa qui va nous parler. Mohamed Issa. Hamlet Chawa. Najidoua fi mawaka tawasol. الاجتماعي واحد يقول ما نصوتيش ولا هنا صوته الاخر يستهزئ بالرساله وباصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد يبث الكذب والريبه ويقسم بالله انه لصادق alors on va ouvrir encore le standard نبيل من وهران نبيل Il semble qu'il y ait un problème au téléphone. Il y a des problèmes au téléphone. J'espère que nous allons pouvoir le régler, parce que sinon, je vais devoir assumer tout seul. Hein. Salim, Ksumtena. Salim, Ksumtena. Kench, ça ne passe pas On va crier au sabotage alors. فريد من فرنسا فريد من فرنسا السلام عليكم وعليكم السلام اهلا بك سي فريد اودي حبيت نقول لكم برك يعني في البلاد تاعنا الجزائر هذه سول سيليسيون سي دو فير كوم ليزون في لي ريفولوسيونير لا دو بارطاجي لو بي اون سيس شاك منطقه تعيش وحدها السلام عليكم داكور السلام ورحمه الله سلام مسيو ا تروفي ان سوليسيون toute faite donc nous avons un problème avec le téléphone nous avons un problème avec nos invités que nous avons perdu Amira on vient de la retrouver Amira donc vous êtes avec nous Amira allô Amira allô, je vous entends oui je vous entends monsieur Bentinouf très bien alors tout à l'heure un téléspectateur vous a passé un grand bonjour et vous a manifesté toute son admiration alors Amira donc nous étions en train de parler mais les gens sont vraiment à cran. Hein. L'un d'eux, depuis la France, nous a dit carrément, nous avons honte d'avoir de tels dirigeants. Ils nous font honte. Qui n'a pas honte aujourd'hui
C'est-à-dire on n'arrive plus à aller dans n'importe quel pays sans dès que vous dites que vous êtes algérien, en fait, les remarques fusent. Est-ce que c'est vous dont le président est sur une chaise roulante? Est-ce que c'est vous on vous demande de taper vos maris pour aller pour les obliger à aller voter? Est-ce que etc etc et bien sûr ça finit par faire honte alors que moi je suis pas pour le nationalisme primaire etc. Nous sommes le meilleur peuple de la terre, c'est faux. On a beaucoup à faire, on a beaucoup de travail à faire pour se hisser etc. Mais ces gens-là non seulement nous font honte, mais en plus nous bloquent et on n'arrive pas à avancer. Mais Amira, vous faites bien de mettre le doigt là où il fallait le mettre, nous aussi, le peuple, les Algériens. Comment pouvons-nous accepter de telles situations? Vous imaginez un peu dans d'autres pays moyennement honorables, hein, je ne parle pas des grandes démocraties, moyennement honorables, les gens, les sociétés auraient accepté qu'à leur tête, il y ait de tels personnages qui viennent se moquer d'eux comme ça, en direct, depuis des tribunes, en jouant des comédies, en faisant semblant d'être appelé par la présidence, de faire attendre le président ou le frère du président. Des sociétés, des peuples qui savent que leur président est tellement invalide qu'il n'a même pas pu faire sa campagne électorale, qu'il a fait faire par procuration, par le même Sedlel d'ailleurs, et puis qui se fait élire à un chiffre astronomique, et puis qui s'adresse au peuple algérien à travers des lettres dont personne ne sait qui les écrit. Est-ce que nous aussi, nous n'avons rien à nous reprocher, nous qui nous taisons devant une telle calamité? On peut quoi nous reprocher nous-mêmes notre silence, mais sûrement pas notre indifférence. Le peuple est clairement conscient, c'est-à-dire que vous allez, que ce soit partout en Algérie, dans les cafés, ailleurs, dans les marchés, etc. Tout le monde parle de ça, de cette honte, de ce qu'a dit le Premier ministre, de ne pas avoir, le peuple est conscient qu'il n'a pas de président, etc. Mais c'est une conjoncture assez particulière avec une histoire douloureuse qui fait en sorte que comme dirait l'autre, c'est-à-dire que d'un côté il est clair que n'importe quel peuple aurait fini par prendre la rue et par dire stop, il faut que ça s'arrête. Mais la conjoncture est internationale et rajouter à cela notre histoire contemporaine avec la décennie douloureuse où c'est devenu presque c'est-à-dire la démocratie rime presque avec des larmes et du sang parce que c'est l'arrière-goût hein, que garde notre peuple, et c'est ce qui explique aujourd'hui encore ce silence méprisant. C'est un silence de mépris parce que le peuple s'est quand même exprimé clairement pendant les législatives. Il n'est pas allé voter, ça veut dire qu'on ne vous reconnaît pas. C'est un message très très fort. Quand on voit aujourd'hui la jeunesse s'exprimer dans les réseaux sociaux, à travers des chansons, elle s'exprime et elle le dit clairement, qu'elle ne reconnaît pas ce régime, qu'elle lui en veut, qu'elle est consciente qu'il l'a abîmé, que c'est à cause d'eux s'ils n'arrivent pas à étudier correctement, s'ils ne trouvent pas de travail, si l'Algérie est encore dépendante des hydrocarbures, s'ils ont dépensé 1 000 milliards de dollars pour arriver à la crise économique aujourd'hui. Ils sont conscients et ils savent qui est responsable. Et clairement, aujourd'hui, ce qui est inquiétant, en fait, c'est qu'à n'importe quel moment... Alors, nous allons... rester avec nous, Amira Bouraoui. Nous allons écouter Ben Hammou que nous avons réussi à joindre. Puis nous vous montrerons d'autres scènes du même genre. Mohamed Ben Hammou, merci d'être avec nous. Merci, M. Bouchinto. Comment allez-vous? Ça va, merci. À part que le fait que vous déformiez à chaque fois mon nom, je ne m'appelle pas Bouchinto, mais Ben Chinnouf. Chinnouf. Ben Chinnouf. Ben Chinnouf. Ben Chinnouf. Pardon. Encore que je salue mes amis Bouchinto de l'Ouest, qui étaient mes très très bons amis. Alors, très bien. Dites-moi. Ces grands responsables comme M. Sellel, comme Oud Abbas, comme d'autres, beaucoup d'autres, comme certains responsables intermédiaires, comme M. Roule, comme M. Sidi Saïd, ces gens-là qui brillent par
Allez, restons gentils, par leur excentricité. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allô, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi le régime les nomme-t-il à la tête de telles charges? Moi, je pense, monsieur Chentouf, moi, je pense, Chentouf plutôt, oui. Alors, moi, je pense qu'il faudrait peut-être être sérieux dans l'avenir. Moi, je crois qu'il faut des hommes d'État. Il faut des hommes qui prennent le peuple algérien au sérieux. Parce que, moi, je l'ai dit, j'ai dit que les 17 millions qui n'ont pas voté, c'est un signe alarmant et c'est un signe qui veut dire beaucoup de choses. J'ai dit aussi que ces 17 millions, c'est des intellectuels, c'est des avocats, c'est des médecins, c'est des gens, c'est une classe silencieuse, mais qui peut se réveiller à tout moment. Donc, moi je crois que cette sonnerie d'alarme est à prendre au sérieux et je pense que M. le Président de la République doit nommer des gens responsables, très sérieux, pour parer aux choses qui vont venir. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on plaisante. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on prenne tout à la légère, parce que je pense que c'est un moment très sérieux. Nous allons traverser une période de turbulence très, très grave. Il faudrait peut-être respecter ce peuple. C'est vrai que je ne change pas de le fusil d'épaule, il est toujours sur le côté droit. Je dis toujours que je suis pro-république, pro-Algérie, sauf que c'est vrai que des fois la plaisanterie a trop duré. Donc M. Ben Hamou, qui aime son pays, qui a toujours soutenu énergiquement le président de la République, et je le soutiens toujours, je dis sauf que maintenant, je crois qu'il faut passer aux choses sérieuses. Nous avons des compétences. Nous avons plein de jeunes qui veulent travailler. Je crois que nous avons besoin maintenant d'un gouvernement, d'élite qui peut apporter un plus dans cette conjoncture difficile. Mohamed Benham, vous avez remarqué aujourd'hui, je ne vous ai pas interrompu et je ne vous ai même pas répondu. Alors que je brûle d'envie de le faire. Mais je ne le ferai pas, je vais laisser Amir Abouraoui vous répondre. Amir Abouraoui. Allô? Vous avez entendu Mohamed Ben Hamou? Oui, j'ai entendu monsieur Ben Hamou. Ouais. Moi, je ne vois pas de président de la République. C'est une république qui est sans président. Et du coup, ce n'est plus une république. On ne voit plus l'État. Le monsieur est absent. Le monsieur n'a plus d'esprit d'initiative. Il a eu un AVC. Le monsieur est malade. Et tout le monde décide pour lui. Et tout le monde est en train de l'utiliser. Il nous faut un président de la République valide, élu par son peuple. Il faut une période de transition dans le calme pour qu'on ait quelqu'un qui nommera par la suite un premier ministre et un gouvernement. On ne peut pas continuer comme ça parce que ce cirque-là, il est dû justement au fait qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Alors Amir Abouraoui, là, le carnaval continue, nous allons voir d'autres images. J'ai demandé des excuses à tout le monde, sans exception. Tous les gens qui se sont sentis maltraités, offensés, bousculés, ou mal servis, ou peut-être qu'ils n'ont pas pris leur café ou leur déjeuner ou leur dîner, le programme était tel. Vous avez vu la scène des états-majors du football, hein? Incroyable. Amir Abouraoui, restez avec nous. Mohamed Ben Hamou, vous êtes avec nous toujours? Oui. Alors Amir Abouraoui vous a répondu, vous a dit, vous parlez d'un président, il n'existe pas ce président. C'est les gens qui signent pour lui, qui désignent pour lui. Il n'existe pas et il nous faut au plus vite un vrai président qui soit vraiment élu par le peuple. Oui, mais bon, je sais son avis, je respecte son point de vue. Néanmoins, ce que je peux dire que l'Algérie
qu'on le veuille ou pas, l'Algérie marche. L'Algérie, tout en Algérie marche, qu'on le veuille ou pas. Que vous le vouliez ou pas, l'administration marche, les ministères marchent, les trains marchent, les avions marchent, le pain arrive, le lait... Il n'y a que Bouteflika qui ne marche pas, excusez-moi. Alors écoutez, maintenant... Il n'y a que Bouteflika qui ne marche pas. Je crois, moi, par respect, par respect à l'institution, je respecte ce monsieur, et je l'ai toujours dit, Bouteflika est tombé malade en exercice, qu'on le veuille ou pas. Et nous, qu'on le veuille ou pas, nous sommes musulmans. Nous sommes une société conservatrice. Nous sommes une société qui ne jette pas ses parents, qui ne jette pas son papa dans un asile. Donc, moi, je crois qu'il faudrait peut-être attendre 2019. Ce n'est pas loin, c'est demain 2019. Puisque le gouvernement marche, puisque toutes les institutions marchent, et surtout, ce qui marche en Algérie le plus, c'est que nous avons une armée extraordinaire. Et nous vivons en Algérie en paix et en tranquillité, en sérénité. Ce que on ne trouve pas ailleurs. Maintenant, j'ouvre une parenthèse, et je suis tout à fait d'accord avec Mme Mouravi, quand elle parle de médiocrité. Vous avez, c'est vrai, montré quelques, soi-disant, personnalités qui, je ne sais pas, qui communiquent très très mal. Moi, je crois que celui qui n'a pas honte, celui qui ne se sent pas offensé dans sa dignité et qui n'arrive pas à démissionner, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Est-ce que vous vouliez qu'on fasse encore couler du sang? Est-ce que vous voulez encore qu'on fasse une guerre entre nous? Moi, je crois qu'il faut donner le temps au temps. C'est pour demain. Moi, je crois qu'il y a une nouvelle ère qui est là bientôt. Je crois qu'il va y avoir des nouveaux hommes, des hommes d'État qui vont prendre en charge ce pays correctement avec Bouteflika. Et Bouteflika n'est qu'un élément parmi tant d'autres que l'Algérie a connu, et que moi je crois que l'Algérie, on se tromperait en disant que l'Algérie est gouvernée par un tel ou un tel. L'Algérie est gouvernée par des gens qu'on ne connaît même pas des fois. Des gens qui aiment ce pays et qui ont tout fait pour que ce pays reste stable et reste un vrai pays. Restez avec nous, avant d'aller vers Amira Bouraoui pour répondre. Un extrait du discours de Ould Abbas. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres partis. Nous sommes spécifiques. Le FLN est spécifique. Le FLN a créé l'État algérien. Nous sommes la colonne vertébrale de l'État algérien. Amira Bouraoui, alors Mohamed Ben Hammou vous dit le gouvernement marche, les institutions marchent, tout marche, le gouvernement marche, l'Algérie est gouvernée par des gens qu'on ne connaît même pas, mais qui aiment le pays. Nous avons une armée magnifique, tout va bien, dans le meilleur des mondes, tout baigne. Alors, Amira. Bah, peut-être qu'on ne vit pas, monsieur, et moi, dans le même pays, apparemment. Ça ne marche pas du tout. Il se trouve qu'il n'est pas logique qu'avec 1000 milliards de dollars, pendant 20 ans, on soit aujourd'hui en crise économique. Il n'est pas normal aujourd'hui que tous ces hommes qui sont au pouvoir sont entachés par des Panama Papers, par des scandales à répétition, que personne ne démissionne, que personne n'est relevé de ses fonctions. Si aujourd'hui, on est encore dans cette paix précaire, je précise, elle est précaire cette paix, c'est une stabilité instable, c'est grâce à ce peuple qui justement ne se révolte pas pour ne pas se retrouver comme les pays voisins. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est en train de prendre sur lui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que militants, on est en train d'user de patience pour ne pas être dans la rue. Parce que Amira Bouraoui, Amira, je m'excuse de vous interrompre. Monsieur Ben Hammou nous dit notre papa, il est tombé en exercice, malade, on ne lâche pas, parce que nous les Algériens, on ne lâche pas nos parents qui tombent malades. C'est le cas des centaines de milliers d'Algériens qui sont tombés malades pendant leur exercice et qui sont jetés comme des Kleenex. C'est le cas des vieillards qui n'ont plus
de familles qui sont jetées dans des maisons dont on peut même, qu'on ne peut même pas qualifier d'asile. C'est le cas de tous ces gens, de tous nos parents qui sont marginalisés, qui sont jetés quasiment à la poubelle de la vie. Mais moi, j'aime pas trop rentrer dans ce discours sentimentaliste ou patriarcal ou je ne sais quoi. Moi, mon propre père, s'il tombe malade, je ne vais pas lui donner le volant pour accompagner notre famille quelque part, parce qu'il va faire un accident. Si un pilote d'avion est malade, on va pas lui confier 200 passagers, parce qu'on sait très très bien qu'ils vont finir dans un crash. Quelqu'un de malade, il va prendre sa convalescence. Il y a une constitution. Il faut arrêter d'utiliser comme ça ce sentimentalisme pseudo-religieux. Baba Namrid, Khalil Berk, Lala Baba Marid, Tala Fin, Dawi, Bessahman Atelouch, Bledi, Sir Haïdin Al-Haït. Merci Amira Bouraoui, merci Mohamed Ben Hamou. Nous allons finir par d'autres images et puis nous vous dirons au revoir. Nous vous disons d'ores et déjà, Amira Bouraoui, merci. Mohamed Ben Hamou, merci. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Mais ne quittez pas, nous allons vous montrer quelques autres images. دولة مجتمع اللي ما يركبش التكوين تاعو على العلوم وعلى الرياضيات ما عندوش مستقبل، لكن يقعد في الشعر، يقعد في قول اعوذ برب الفلق، يقعد في قول اعوذ برب الفلق. عمليات التزوير ما نقدرش ما نقدرش